voulez-vous? Ne vous a-t-on pas dit que personne n'a le droit d'entrer dans cette chambre? Roderick a écrit sa lettre, follement pressant, ne permet aucun retard. Je suis son seul ami, je vous en prie. Ah oui, je sais. Voyez en moi son menace dévoué depuis longtemps. J'ai même le triste honneur d'assister sa mère à ses derniers instants. Quelle femme misérable! Il réclame instamment ma présence. Il dit en espérant un peu de joie. Quelque soulagement d'intolérable souffrance, c'est la paix suppliant d'un cœur qui se débat contre de ce qu'elle terre. Hélas, il n'y a plus rien à faire. Cet homme est le dernier d'une race orgueilleuse et hautaine que la transmission constante du même sang. Presque tous furent des malades, des maniaques adonnés à de bizarres sciences. Des fous, cher monsieur, des fous. Croyez-moi, je n'ai trouvé en Roderick une âme éprise d'or, de beauté. Si vous voulez, ce n'est d'ailleurs que la même recherche du bizarre, du biscornu. Il ne pouvait y échapper. Vous le verrez. Quoique jeune encore, son âme désordonnée a déjà usé son faible corps. Vous verrez sa front aux tempes trop larges, portant la marque des griffes de la folie. Allez, ce n'est plus maintenant qu'un instrument aux ordres de la peur. Et sa sœur, Lady Madeline, je sais qu'ils ne se sont jamais quittés, que leur tendresse est grande. On voit peu Lady Madeline. Que vous importe-t-elle? Vos manières sont étranges et je ne vous comprends pas. Veuillez me répondre. C'est sa faute à lui, ce n'est pas ainsi que l'on aime une sœur. Que voulez-vous dire? Je sais. Si vous pouviez entendre cette voix qui semble venir. Souvent,
les musiques à damner les anges. C'est incompréhensible et dangereux. Une femme n'est pas un luth, après tout. Mais il ne veut rien voir. Il ne sent pas que c'est son âme à elle qui s'en va avec le chant. Ah, pourquoi ne veut-elle pas m'écouter? J'ai tout fait pour l'avertir, tout tenté. Elle est si belle. Qu'elle y reviendra. Menez-moi vers Roderick. Le voici. Ne vous montrez pas encore. Sa voix m'a réveillé, sa voix, c'était sa voix, il n'en est pas d'autre dans le monde. C'était sa voix, j'en suis sûr, où est-elle? Ah, je ne peux plus. Je ne veux plus lire. Non, pas cela. Ne plus voir cela. Toujours s'endormir dans la fièvre pour se réveiller dans l'angoisse. Dormant sans fin, sans fin, sans fin. Vieille pierre, pierre blafarde, je vous appartiens, mes pensées me rongent comme vous les pluies d'hiver. Vieille pierre, me faut-il expliquer les fautes obscures que je n'ai pas les amis, puisque vous me connaissez déjà depuis toujours. Pierre mauvaise, vos figures blêmes glacées, mes ombres froides. Pourtant, le jour ma mère est mourue, j'ai ri. Oui, j'ai osé rire. Vous n'avez pas compris cette joie étrange. La voix enfin délivrée de notre
votre Dieu sortilège. Ah, j'ai soif de vivre, j'ai soif de vivre. Ne vous effrayez pas, je l'ai souvent trouvé ainsi. Il n'est pas sans danger de l'éveiller en ce moment. Croyez-moi, nous n'y pouvons rien. Allez-vous-en! Thank you.
Regardez cette clarté, linceul lumineux qui enveloppe les temps. Et lui, le médecin, l'oiseau maudit, l'oiseau de malheur, il est là, il ne vole plus. Le voyez-vous ? Oui, voici notre roman favori. Je vous lirai cette belle légende du chevalier et de l'ermite. Sire Ulrich, cœur vaillant par nature, maintenant très fort aussi par la vertu magique du vin herbé qu'il avait bu, n'attendit pas plus longtemps pour parlementer avec l'ermite, en vérité malicieux et obstiné, mais craignant la tempête, leva bel et bien sa massue et fraya bien vite un chemin à travers les planches de la porte, si bien que le bois sec et sonnant le creux porta l'alarme d'un bout à l'autre de la forêt. Roderick, vous n'écoutez pas. Aussi, si j'écoute de toutes mes forces. Ulrich, passant alors la porte, fut grandement furieux et émerveillé de n'apercevoir plus trace du malicieux ermite. Mais en son lieu et place, un merveilleux dragon avec une langue de feu, devant un palais d'or dont le plancher était d'argent, et sur le mur était suspendu un bouclier d'airain brillant. Alors, Ulrich leva sa massue et frappa sur la tête du dragon qui tomba devant lui et rendit son souffle empesté avec un épouvantable rugissement. Et maintenant que l'enchantement était rompu, il s'avança sur le pavé d'argent vers l'endroit où pendait le bouclier, lequel n'attendait pas qu'il fût arrivé, mais tomba à ses pieds. Party!